Bonjour, je m'appelle Dimitri et je suis chauffagiste. J'arrive à faire mon métier de plombier chauffagiste lors d'un stage de troisième de découverte où j'ai choisi un métier pas au hasard mais presque et ça m'a directement plu. Du coup, je suis parti dans cette voie et là j'ai décidé de faire un CAP, un apprentissage chez les compagnons de devoir. Moi, j'ai fait combien de devoirs pour voyager, parce que vu chaque année on change de ville, on change d'entreprise du coup et du coup on emmagasine énormément d'expérience en peu de temps. Et lors de mon CAP, j'ai fait le concours du meilleur apprenti de France, où j'ai été médaillé d'or national. En sortant de CAP, on m'a proposé de m'inscrire aux WorldSkills. Je suis champion de France WorldSkills en plomberie chauffage et 8e mondial. Durant mes préparations aux WorldSkills, j'ai été suivi par trois anciens compétiteurs qui m'ont apporté leur expérience, leur technique de travail et des coachs métiers aussi. Du coup, ça m'a permis de gagner en rapidité, en agilité sur mon travail au quotidien maintenant. Bah, je ne retire que du positif et maintenant, je dirais à tous les jeunes de s'inscrire, quoi. Ce qui est bien dans le BTP, c'est qu'on peut avoir une évolution très rapidement si on se donne les moyens. Donc, ouais, on peut évoluer très vite, quoi. C'était mon cas. Je suis passé d'apprenti à chef de chantier par ouvrier et chef d'équipe quasiment en 5 ans. Donc, foncez, faites de l'apprentissage. Il y aura toujours du boulot et surtout quand vous sortirez d'apprentissage, vous aurez un diplôme. Et donc, après, vous trouverez forcément une entreprise.